Allez, salut, 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 salut à nouveau. Voilà, ça touche moi, Samos Pita. Et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je viens de mettre une vidéo en ligne. C'est qui parlait de une vidéo qui parlait de l'Université de Montréal pour les admissions et des bourses. Donc, je vais pas répondre toute la procédure. Je vais juste. Nous sommes à la deuxième vidéo. Et la deuxième vidéo, c'est juste pour postuler, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, mais néanmoins, je vais déjà installer l'idée principale qui vient de cette bourse. Pour postuler à cette bourse-là, vous n'avez pas besoin de postuler à une bourse en tant que telle. Vous postulez juste pour une admission. Et lorsque vous avez l'admission, on vous envoie encore deux éléments, deux fichiers, c'est-à-dire une admission pour la première invitation et la seconde pour vous montrer, pour vous dire un peu quel est le type de bourse que vous avez eu. Et si la bourse vous intéresse, vous l'acceptez et vous allez y étudier avec vos éléments. Voilà donc. Et je voulais rappeler encore que cette bourse-là ne concerne que la scolarité. Voilà, cette bourse-là ne concerne que la scolarité. J'ai déjà fait une vidéo, donc pour ceux qui veulent suivre la vidéo, vous pouvez aller en description ou bien en commentaire. Je vais essayer de mettre le lien de la première vidéo là-bas. Vous allez utiliser ce lien-là pour aller suivre l'explication de cette bourse-là sur la première vidéo, et puis après vous pouvez revenir ici pour venir postuler. Donc comme je disais, nous sommes là pour postuler. Alors nous, on va chercher juste l'admission. Vous n'avez pas besoin de postuler à une bourse, vous cherchez juste l'admission et c'est tout. Donc vous venez ici dans admission, là vous cliquez sur admission. Moi, je vais considérer que je suis, par exemple, comme ça, je viens pour la licence. Donc comme je vous ai dit, la licence c'est le diplôme le plus important. Voilà, le master, vous pouvez faire de la même manière que la licence. Voilà, donc ça, c'est pas un souci. Alors, donc ici, voici les éléments, l'étape pour préparer son dossier d'admission. Après, une fois que vous finissez, avoir mis les renseignements nécessaires, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire identité et adresse courriel, déclaration d'études, paiement en ligne. Voilà, pour ceux qui refusent toujours de faire des paiements en ligne, pour ceux qui refusent toujours de payer des frais d'admission pour avoir une admission ou bien une bourse dans une université, sachez que vous n'allez plus postuler. J'insiste toujours, vous n'allez plus postuler parce que les bourses qui vont apparaître maintenant sont des bourses avec des frais d'admission. Voilà, les bourses qui ne sont pas avec des frais, on a la bourse de Russie, la bourse de Roumanie. Voilà, maintenant ces bourses sont très rares. Donc vous devez vous apprêter à pouvoir faire un peu d'économie et essayer de postuler pour ces bourses-là. Donc ici, je vois, je viens là pour les frais. Pour les frais, vous allez voir, les frais sont déjà ici. C'est-à-dire quoi? Pour ceux, par exemple, qui vont faire les demandes d'admission du premier cycle et du cycle supérieur, les frais s'élèvent à 109 dollars. Voilà. Et pour ceux qui font les demandes d'admission à un module ou micro-programme, c'est 24 dollars. Ça concerne beaucoup pour ceux qui font des formations continues ou bien des formations d'échange. Voilà, vous n'êtes pas là. Vous, où vous êtes ici dans la première demande d'admission et le premier cycle et au cycle supérieur. Donc ça veut dire que lorsque vous allez utiliser votre carte Visa, vous allez payer ou bien ils vont vous retirer 109 dollars. C'est après cela que vous pourrez valider votre cursus ou bien votre demande pour que l'université puisse prendre en compte et postuler à votre admission. Voilà, donc nous, on va aller rapidement pour pouvoir chercher à postuler à l'admission. Voilà, pour ne pas perdre assez de temps. Donc pour postuler à l'admission, alors là, donc comme vous voyez là, voilà, maintenant que vous savez un peu quels sont les éléments qu'il faut dans l'admission pour pouvoir faire une admission. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va d'abord essayer d'abord de créer notre compte sur cette plateforme-là. Voilà, et ensuite, on va postuler pour l'admission. Donc, dans un premier temps, vous venez là, mon compte, vous faites ici mon compte, vous venez là, création, créer un compte. Voilà. Et moi, le compte, je vais créer le compte avec Gmail. Voilà, je vais créer avec Gmail. Et pour voir un peu. Donc, on attend un instant. Il y aura mon compte Gmail qui sera en position pour la création. Donc, je serai obligé de choisir un compte pour pouvoir le faire, ou bien je vais insérer un nouveau compte. Voilà. Donc, vous attendez un peu que ça charge. Voilà.
Ok, donc ici, on me demande de soit y choisir ce compte-là, ou bien je prends un nouveau compte. Donc, comme je n'utilise pas ce compte-là maintenant pour pouvoir créer des comptes, voilà, sur des plateformes d'inscription, je vais choisir un autre compte. Et l'autre compte, je vais choisir ici. Ok, on me demande forcément avec. Donc, je voulais juste vous montrer un peu comment est-ce que on pouvait choisir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait créer un compte, voilà, sans passer par nos comptes qu'on a. Parce que ici, vous voyez par exemple comme ça, avec ce compte qui est là, si je dois créer un nouveau compte ici, je vais d'abord cliquer là avec un nouveau compte. Vous voyez que je dois créer un nouveau compte Gmail alors que j'ai déjà des comptes Gmail. Donc, ce qui est fait, je ne vais pas utiliser cela. Je vais utiliser directement mon compte qui est là pour pouvoir accéder et puis voilà, passer à autre chose. Parce qu'une fois que vous utilisez ce compte-là, ils vont vous envoyer un message, ils vont vous envoyer un code. Et c'est ce code-là que vous allez utiliser pour faire quoi? Pour pouvoir postuler à l'admission, pour pouvoir créer votre compte sur la place de l'admission et postuler pour l'admission et la bourse. Vous comprenez? Donc actuellement, par exemple comme ça, une fois que j'utilise, par exemple comme ça, mon mail pour pouvoir agir directement, je dois recevoir un mail. Voilà, je dois recevoir un mail qui va comme ça me donner la possibilité. La possibilité de trouver là-bas mon code et de là-bas je vais utiliser ce code-là pour venir faire l'admission. Vous comprenez un peu? Voilà, donc d'ici là je vais comme ça, une fois que j'ai déjà utilisé cela, ça me renvoie ici. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher maintenant à faire quoi? À aller postuler. Donc si je clique sur admission directement, je tombe là, voilà, et je fais ma demande ici. Vous comprenez? Je fais ma demande ici, demande d'admission. Vous allez voir les éléments qui vont me demander, ce sont ces mêmes éléments-là que je vais devoir utiliser. Et puis, voilà. Donc, vous cliquez sur formulaire d'admission et ça vous envoie ici. Voilà, ça vous envoie ici. Ici, si c'est votre première fois, visite d'abord, créez votre compte. Donc, on va créer le compte, vous comprenez? Donc, je clique sur créer un compte. Voilà. Ça me renvoie ici. Vous voyez ici, il y a code d'utilisateur, il y a adresse, tac, tac et tac. Ok. Donc, ici, le code d'utilisateur, vous allez recevoir ce code-là dans le message que vous avez reçu. Voilà, quand vous vous êtes enregistré, le message que vous avez reçu. Donc, moi, je vais comme ça dans mon mail. Je vais voir mon mail. Voilà. Et puis, de là-bas, je vais voir le mail qu'ils m'ont envoyé. Ok. Donc ici, vous remarquez bien ici, il y a le mot de passe qui est là, il y a mon courriel qui est là. On dit quoi? Merci d'avoir créé votre compte sur le site guide professionnel, guide d'admission et des programmes de l'Université Montréal à l'aide de votre identifiant Google. Ici, vous pourrez dorénavant ouvrir une section directement sur votre site, sur notre site en utilisant les formulaires qui sont là. Et ici, mot de passe, c'est le mot de passe qui est là, et code d'allemand, et code d'allemand. Ok, donc ici c'est le mot de passe, et voici le mot, c'est le mail qui est là, et voici le mot de passe. Donc je viens là. Donc si c'est ce que vous avez reçu, là c'est direct. Voilà. Dans les dons, vous devez recevoir un code. Bon, c'est pas un problème. Ici. Ok, donc directement, je passe maintenant sur la plateforme ici. Ok, donc s'ils ont déjà envoyé tous les éléments, alors on va essayer comme ça de venir là.
Ok, donc une fois que vous mettez là le code, voilà. Donc n'oubliez pas, c'est le même code là qui est là. Ce code qui est là, ce code là, voilà, vous l'utilisez en tant que code d'utilisateur. Vous mettez ce code là en tant que code utilisateur et vous essayez de postuler. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le mot de passe, moi j'ai choisi encore mon code d'utilisateur, je l'ai mis comme mot de passe, donc c'est pas un souci. Voilà. Donc ça dépend de vous. Ok, maintenant on va devoir avancer. Donc une fois que vous êtes là maintenant, vous allez chercher. Notez qu'une seule demande de passe cycle est acceptée pour par trimestre. Si vous disposez de plus d'une demande par cycle, par trimestre, exemple, votre deuxième demande ne sera ni étudiée ni remboursée. Ok, donc une fois que vous finissez là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant faire votre demande. Voilà. Vous allez faire votre demande là. Vous allez cliquer là et vous allez maintenant essayer de remplir tous les éléments qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je viens là, par exemple, je choisis le cycle, le premier cycle, ok, et je viens là. Bon, ce que je vais faire est très simple. Voilà, je vais, parce que la vidéo va faire assez une longue vidéo, donc je vais m'arrêter là et puis voilà, je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure, comme ça vous allez mieux comprendre ce qui se passe là. Ok, donc à plus les gars.